Sayın Faruk Eren'e teşekkür ediyoruz. Şimdi absürt olduğu kadar da olayın siyasi niteliğini de pekala birleştirmek için sonuna kadar uğraşacaktır. Nous appelons à des réactions plus fortes de tous les États démocratiques et ce matin, Reporters sans frontières lance un appel international pour la libération de Can Dündar et d'Erdem Gül. Particulièrement choquante est l'intervention dans cette affaire du président de la République qui a personnellement porté plainte, qui a multiplié les attaques contre Cumhuriyet comme contre d'autres titres. À l'évidence, les poursuites intentées contre Cumhuriyet sont ridicules et relèvent simplement d'une affaire politique. Les autorités turques se trompent d'ennemis, clairement. Il semble qu'en Turquie, les journalistes soient plus régulièrement poursuivis par la justice que les militants, les citoyens turcs qui sont militants de Daesh. La Turquie ne peut pas être une bonne voisine pour l'Union européenne tant qu'elle muselle la presse, tant qu'elle arrête les journalistes et tant qu'elle ignore les droits de l'homme. Mahkemesi gerekçesiyle tutuklandı.